Bon allez, c'est parti, on continue. On part de Propriano pour aller un peu plus dans le sud vers Bonifacio, Bonifacio, je sais pas comment on dit. Bonjour. Et je laisse une plage nickel parce qu'elle était blindée, enfin le parking et un peu la plage étaient blindés de plastique, de carton, en tout genre. Et grâce à ma petite pince de préhension, j'ai pu nettoyer tout ça. Et j'ai quand même fait deux sacs poubelles remplis. Donc comme quoi, ça peut être quelqu'un en camion qui nettoie les poubelles des gens civilisés. Donc voilà, les a priori, les préjugés. Je repars, la plage est propre. Voilà, j'aimerais bien que les mentalités évoluent à ce sujet. Au revoir, Propriano. Et nous prenons la route direction Bonifacio. Et elles sont toujours aussi belles les unes que les autres. Direction Bonifacio. Et nous décidons de faire une petite pause sur cette plage magnifique que nous avons vue au loin. Dès notre arrivée, nous ne pouvons louper ces gros navires immenses et luxueux qui peut-être ne devraient pas exister dans une civilisation raisonnable et avancée. Le port est joli et laisse apparaître les remparts de la ville derrière. Et nous décidons de louer un trajet en bateau pour aller visiter les îles Lavezzi. Si vous voulez faire cette visite, comptez environ 35 euros par personne pour le trajet aller-retour. Bonifacio, ça va mes chers, tout va bien? Super, allez, on est parti direction les îles Lavezzi avec une demi-heure de traversée. On va directement là-bas. C'est la meilleure place en fait, c'est une place climatisée avec brumisateur. On va être bien. Vous allez pouvoir y aller. Voilà, gardez votre appareil photo pas trop loin, vous allez voir, ça va être magnifique tout de suite en sortant du port de Bonifacio. En grande partie sur la gauche, vous avez les falaises, les grottes, la vieille ville, tout l'extrême sud de la Corse, l'équipage, tout ça. Et bien sûr, vous pouvez circuler sur le bateau hein, à condition de se tenir un petit peu, n'allez pas tomber et vous faire mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à l'équipage. Le bar est ouvert, hein, coca, isti, bière, bouteille d'eau, tout ça bien au frais. Et puis, voilà, je crois qu'on est plutôt pas mal. Bonne croisière à tous, merci et à tout à l'heure. Bonne chance. Ça y est, mon futur catamaran qui est garé. Ça fait du bien de rêver un peu.
et nous arrivons au ponton des îles Lavezzi. Après une petite demi-heure de traversée, et nous devons attendre qu'un bateau parte pour pouvoir nous amarrer, car le ponton est petit. On va essayer de trouver la plus belle plage. Et c'est une véritable cohue de touristes. Je n'ose imaginer en juillet ou en août, car nous sommes en septembre. Les îles Lavezzi sont un archipel de 23 îles, îlots et récifs granitiques, situés à 10 km au sud-est de Bonifacio. En Corse du Sud, il s'agit du point le plus méridional de la France métropolitaine. Assez incroyable le monde qu'il y a, tourisme de masse. Ça me fait d'ailleurs un peu bizarre de participer à ça, vivement que j'ai mon voilier. Cimetière sur l'île, ça doit être un monument là-bas. Les roches érodées. Il y a par contre un peu trop de monde pour moi sur la plage, je décide donc de partir découvrir un peu cette île à la recherche de endroits un peu plus calmes. Avec la Corse en fond. Ça a l'air joli ce petit coin d'île là-bas. Avec un peu de verdure. Et la Sardaigne qu'on voit au loin derrière. Une autre île très belle. Un peu dans le même style que la Corse il paraît. Mais jolie aussi. Paysage de toute beauté. Je me suis dit tiens. Les bernards l'ermite ou pagures, contrairement aux crabes, n'ont pas de coquilles. Ils vont donc se trouver un habitat de protection dans les coquilles des hôtes, sans oublier de les dévorer avant. Bon, il y a quand même plus de vie sur cette petite île que les plages que j'ai faites avant. Plus de poissons, des bernards l'ermite, en pagaille. Ça fait plaisir quand même de voir ça. Mais ça reste pas folichon quand même. J'espère que la mer va se repeupler, ça serait bien. Il va falloir penser au chemin retour. Et il est temps de prendre le chemin du retour. Avec toujours autant de monde, en croisant ce rocher, non sans me faire penser à l'île de Pâques. L'île de Pâques, justement victime de son succès, est mise à mal par le tourisme de masse. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si ça fait du bien à ces îles, autant de touristes par jour. On peut d'ailleurs remettre en question si nous n'avons pas atteint un point critique au niveau du tourisme pour le bien de la nature. Les villas, et on peut même de parler de complexes privés, de millionnaires et de milliardaires se succèdent. Cette villa aux formes rectangulaires en pierre appartient au président de Fiat. Et on peut voir ici l'ancienne villa
de la princesse de Monaco. Elle l'a vendu pour la bagatelle de 60 millions d'euros. Il est normalement interdit de construire, mais ils peuvent modifier et agrandir. C'est donc pour ça que ces maisons de pêcheurs sont devenues de véritables complexes. Une fois de plus, on peut se demander si les permis de construire qui sont obtenus sont bien réglementaires et si la richesse n'est pas au-dessus des lois. Ça, c'est la plage du Petit Sperone. Pour la rejoindre, il faut marcher environ 15 minutes depuis la plage de Piantaré. Là, vous avez un sentier qui longe toute la côte. Près 1 million d'euros le mètre linéaire. Donc un yacht de 40 mètres, ça va coûter autour de 40 millions d'euros. Ces bateaux qui coûtent forcément extrêmement cher à l'utilisation et à l'entretien sont généralement mis en location. Hein. Donc ils font leur saison d'été en Méditerranée et l'hiver ils partent pour les Caraïbes. Il faut savoir tout de même qu'un yacht de 40 mètres, ça se loue dans les 200 000 euros la semaine, hein, rien que ça. Ça d'ailleurs, c'est sans le combustible. On sait qu'ils peuvent consommer jusqu'à 1000 litres de gasoil à l'heure. Bon, c'est à prendre en compte dans le budget location. Hein. Même si vous me direz qu'à ce stade-là, il n'y a plus vraiment de budget. Vous aurez raison. Il faut également savoir que peu importe leur taille, qu'ils passent 25 mètres ou 80 mètres de long, leur capacité maximale de passagers à bord est de 12, hein, donc 12 passagers. Autrement, ils passeraient dans la catégorie des navires de commerce, et donc des bateaux de croisière. Donc, très souvent, il y a beaucoup plus de membres d'équipage que de passagers à bord de ce genre de yacht. Alors voilà, messieurs, dames, bras et les mains à l'intérieur du bateau. Hein. Quand on rentre dans notre place à caisse, c'est très serré. Et alors voilà, j'espère que vous avez tous apprécié cette petite balade de Bonifacio. Bonifacio, qui fut colonisé par les Génois et qui ont imposé à la ville des modifications militaires structurelles importantes, ce qui donnera la citadelle actuelle. Et le fameux escalier, classé monument historique pittoresque de la Corse, fermé aujourd'hui. Il descend jusqu'en bas et a été creusé pour accéder au puits Saint-Barthélemy, un puits d'eau douce. Les petites rues sont vraiment agréables et vous ferez une belle balade en vous promenant dans le centre de Bonifacio.
qui aspire à s'arrêter boire un verre ou manger un bon plat dans l'un des nombreux restaurants. Bon public, bon public, en se disant des je t'aime pas, t'es que retireront les murs de leur chambre à coucher. Je remercie tous ceux qui me suivent avec assiduité et qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.